C'était un exercice de communication très important, pourtant très délicat, auquel s'est livré Alexandre Désiré Tapoyo sur des sujets qui ont défrayé la chronique ces derniers temps. Je ressens parmi nos militants une certaine inquiétude. Les gens se disent dans quelle atmosphère politique sommes-nous. Les gens se disent, est-ce qu'on est sûr que l'année prochaine, les choses passeront bien? On entend ici et là des gens qui démissionnent. On entend ici et là, par exemple, qu'à Mekambo, des séléristes ont reçu l'opposition. Qu'à Mivou, des séléristes ont reçu l'opposition. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est cela la démocratie. Chacun est libre d'aller et venir, tout en respectant les autres. Mais nous, nous avons fait le choix d'être avec Asselé Jean Boniface, qui nous enseigne l'entraide, qui nous enseigne la solidarité. Aussi, le porte-voix du CLR dans cet arrondissement n'a pas manqué d'afficher les ambitions de sa formation politique pour ce siège. En 2013, on a eu presque 1300 voix en deux mois. Ce qui veut dire que si on travaille bien là, je vous dis, en 2016, on a le député ici là. Les gens disent que ici c'est le siège des autres, c'est pour nous aussi. Croyez-moi, on a le député et on aura aussi les maires. C'est ça la voix, je ne serai pas maire ni député, c'est ça parmi vous là. Il a par ailleurs invité les populations, particulièrement les jeunes en âge de voter, d'aller se faire enrôler sur les listes électorales. Dans le cadre de l'opération de l'enrôlement, il ne s'agit pas de nouvelles réinscriptions. Il s'agit, parmi nos enfants, tous ceux qui ont eu 18 ans depuis la dernière élection, la dernière inscription, ceux qui ont 18 ans, d'aller se faire enrôler. Cette assemblée générale du CLR au premier arrondissement a permis d'aborder un certain nombre de questions, mais au-delà d'exprimer son adhésion et celui de son fondateur à la vision du président Ali Bongo Ondimba.